Dans le tableau de bord, c'est la section bleue. Vous avez un lien pour inscrire un annonceur, puis vous avez un lien pour inviter un aidant. Ensuite de ça, vous pouvez voir mes aidants, le lien pour voir mes aidants. En étant aidant, vous n'aurez pas le lien pour mes annonceurs, parce que les annonceurs que vous allez inscrire vont être dans l'équipe du VANCL. Parce que présentement, je suis dans le compte du VANCL, je ne suis pas dans l'équipe, dans ce paragraphe-là. Je vous invite à envoyer des invitations à vos amis Facebook, vos amis que vous connaissez par Facebook ou autre moyen, à les inviter d'être aidants eux autres aussi dans votre équipe. Ils seront dans votre équipe, mais ils ne seront pas, autrement dit, vos équipiers à vous. Je vous reviens dans l'autre page tantôt. L'avantage que vous allez avoir d'inviter des aidants, les ventes qu'ils vont faire, ça va vous rapporter. Comme je vous ai montré aussi, vous avez un lien pour ajouter un client, il y a un client annonceur. Par téléphone, vous suggérez, mettons, vous contactez, mettons, votre famille, vos oncles, vos tantes. Invitez-les à demandez-leur la permission pour les inscrire annonceurs. Même s'ils n'achètent pas d'annonce de vous tout de suite, ils vont être vos clients à vous. Advenant qu'une autre personne va lui vendre une annonce, bien, ils peuvent pas, en réalité, c'est votre client à vous. Quand ils attendront parler de l'agenda du Québec, bien, en étant inscrits, ils peuvent se mettre une annonce aux autres mêmes sur le site.